Mais non, oh, c'est génial. Yes. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va installer des clous sur mon VTT Enduro. Il y a Philippe et Arthur qui m'attendent à la patinoire. Je leur ai rien dit, ils sont pas au courant de cette installation. Les pneus avec des clous. Des clous qui font quand même 1,5 cm, donc je pense que ça devrait bien accrocher. J'étais déjà allé il y a quelques années dans cette patinoire avec des pneus à clous d'origine. Ça accrochait moyen. Donc je me suis dit qu'il fallait des clous beaucoup plus gros. Je me suis inspiré de la vidéo d'un rider qui s'appelle Ola BMX qui avait mis des clous énormes dans un lac gelé. Le concept était énorme. Vu que récemment j'ai fait une vidéo roue en plastique et que j'ai fait des drifts dans la neige, on les fusionne et ça donne des pneus à clous. Donc je pense qu'on va bien rigoler. Bon allez, on va démonter la roue avant déjà pour commencer. À ce niveau là je pense que ça va passer les 1,5 cm. Hop. Tac. Hop. Je crois que le tubeless ça va plus marcher après ça. Je crois que c'est foutu là. Regardez la taille. Ça devrait bien sortir du crampon. On va être pas mal là, non? Bon allez, encore 200. Bon, il commence à faire nuit. Je sais pas si vous voyez tous les clous. Il y en a énormément. Si avec ça, ça accroche pas les gars. À la base c'était quand même ça les pneus cloutés que j'avais dans la première vidéo. Regardez, c'est quand même vraiment pas très épais hein. Et ça accrochait déjà. Et aujourd'hui je vais avoir ça. Alors si avec ça j'ai pas du grip les gars, ça va défoncer la glace. On est tout seul, la patinoire, ils nous l'ont privatisé. C'est le soir, tout le monde a terminé. La glace elle est encore bonne hein. Il y a eu quelques patins à glace qui sont passés. Mais on est pas mal. Et qui je vois derrière moi, ça y est, ils sont là. Ouh, Michael Jackson. On se voit souvent en ce moment. On se voit souvent, c'est vrai. Et c'est qui lui? Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Alors j'ai préparé un vélo les gars, je vous ai donné rendez-vous ici pour essayer le vélo sur la glace. J'ai pas compris ton idée. Pour essayer le vélo sur la glace. Est-ce que vous avez mis des protections juste? Le casque. Le casque. Le casque. Oui, peut-être. Protect comme d'hab. Ok, bon bah ça va alors, venez voir. J'ai préparé mon VTT mais j'ai fait un petit truc spécial dessus, je vous en dis pas plus. Qui va trouver? Ah oui, effectivement. Vélo électrique. Est-ce que vous voyez une petite modif autre? Parce que là pour l'instant, ok, vélo électrique, simple. Les pédales c'est pas d'origine, c'est choqué, ça a changé. Oui. Wow, ça, c'est pas mal. La selle télescopique. Quoi d'autre? Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Ah ouais. Ok. T'as vu les clous? T'as bousillé un pneu. T'as bousillé. Bah même deux pneus. Ah, j'ai pas rigolé hein. J'ai mis des clous de 1,5 cm qui débordent dans tous les sens. Vous savez ce qui a été le plus dur pour moi en fait? Parce qu'il y a des trucs qui sont tout cons. Remonter un pneu. Tu le prends ton pneu, tu fais. Oui, ah, t'es obligé de forcer comme ça. Mais sauf que là j'ai dû le faire avec des clous. Ah et toi t'as pris le BMX, bah t'as des clous ou pas? Non, pas du tout. Non. C'est pour ça quand tu m'as dit prends ton vélo, j'ai pas compris en fait. Moi je vous propose d'essayer, hein. Mettez le casque, hop. Ah là comme ça direct. Comme ça direct, okay. Nickel. Mais regardez quand même la patinoire, je vous remontre ici, c'est là où se jouent tous les matchs de hockey sur glace à Grenoble, c'est la patinoire Pôle Sud. Tous les matchs de Ligue Magnus, c'est ici. C'est comme si on était dans un match les gars, championnat de France ici. Ouais, ouais. Et je vous présente Arthur, joueur numéro 2. Oh, on mettra des bruitages. Ouais, ah Philippe il a envie. Oh, oh, ambiance. Ils sont avec nous. Ah là c'est magnifique Philippe, tu peux pas faire une meilleure entrée que ça. Il y a la régie, lumière, je sais qu'ils sont quelque part. Là ils nous font plaisir. J'ai même pas essayé hein. Là je voulais vraiment vous attendre, j'ai rien essayé. Ça glisse et ça grippe à la fois. Ouais. Comme ça on va pouvoir glisser mais accrocher. Tu veux être le premier? Franchement je te laisse l'honneur, ça me fera plaisir. Et attends, c'est la première fois aussi que je teste un vélo électrique. Ah oui, alors du coup comment ça marche? Parce que alors là j'ai juste allumé le moteur, il est sur off. Ok. Et là t'as trois modes ici. Bah il est pas allumé s'il est sur off. Bah en fait le moteur. Le moteur est allumé. Tu veux commencer doucement, tu appuies là une fois, ça fait écho. Écho, ok, d'accord. T'es économe. Moi je te propose le boost direct, c'est là où ça va burner. Et ensuite t'appuies où du coup pour que ça burn? Enfin, bah tu pédales. Dès que tu pédales, bah, c'est pas comme une moto hein. C'est dès que tu pédales, t'enclenches un premier quart de pédale, c'est là où le moteur va t'aider. Attends, même avec la selle baissée à fond, mais puis touche. Oh ça va être magnifique. Oh là là. Oh là là, le premier test. Vas-y tranquille, vas-y tranquille, on fait un petit tour de piste. Premier coup de frein si tu veux. Premier coup de... Oh, ouais ça va. Ouais. Oh, t'as ravagé déjà la neige, regarde. Un premier trou. On a le directeur de la patinoire quand même qui est avec nous hein. Je tiens à préciser. Merci beaucoup. On le remercie directement. Ouais. Du coup il verra peut-être la première chute aussi. Ah le boyeux est dans le pédalier. Ah parce que excuse-moi, je découvre ton vélo. Alors le moteur il est là. Ici il y a la batterie, tout intégré au cadre. T'as une roue libre à l'arrière comme un VTT ordinaire. Ok. Et l'assistance du moteur elle se fait vraiment dans ton pédalier. Et nous on est là à courir derrière quand même. On est. Oh là tu vas trop vite pour nous là. Oh ça patine. Oh ça patine. Oh il va trop vite le mec. Nous on n'arrive pas à suivre. Ouais, s'amuser. Essaye un gros start juste pour voir si ça burn ou pas. Si j'ai bien bossé avec mes clous, normalement ça doit pas glisser. En fait, j'appuie, ça va partir fort. Ouais, pédale. Ah là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Oui. Il a fait de la neige. Regarde, vas-y, refais. Oh,
Ah oui. On va voir les traces que ça fait parce que moi je vois pas ce qui se passe derrière moi. Bah t'as fait de la neige, regarde là-bas. Je vais voir. T'as un peu grippé. Oh c'est ravagé. Non bon du coup t'as bien bossé. Et c'est à ton tour maintenant je pense. Bah oui. J'ai pas dit mais j'ai quand même mis bien une heure et demie à planter tous mes clous. T'as fait comment, au tournevis ou à la visseuse? Non je suis allé à la visseuse. Ah ok. Oh ça va être magnifique, j'ai envie d'essayer, vas-y. Ok. J'en ai mis beaucoup sur le dessus et pas trop sur le côté. T'es pas sponsor par une marque de pneus pour pouvoir faire ça, tout ça. Ouais c'est vrai. J'ai fait un peu de ta gueule moi. Ouais, tu vois, j'essaie de faire un tour autour de toi. Oh, il est parti d'un coup. Ouais. Wouah. Attends. Oh, wow. Ah oui, il est la gueule. Il y a un peu d'agilité. Ah oui. Voilà. Elle est là. Elle est là. Je voulais pas mettre les mains. Bon, Arthur, à toi. Qui, à moi? Bah oui, vas-y. Ah, j'ai peur, moi. Qui se débrouillera le mieux à la fin de la vidéo? On a un début, quand même. Ah oui, il y va direct. Ah, il y va direct. Allez. T'es chaud au wheeling ou pas? Non. Baisse un peu les vitesses, peut-être. Oh, il y a quelque chose. Oh, ça serait magnifique. Oui. Ça burn et tout. Le burn en wheeling. Oh, ça burn. Tu vas trop vite. Ouais. Oh, joli le 180. Moi, wheeling, je pense que c'est possible. Plus en arrière. Mets du poids. Voilà, tu l'as, là. Oui. Allez. Oui, la chute. Oh, mais il tombe jamais. Incroyable. Il est trop fort. Comme ça, au sol, comme ça. Oh, lolo. Oh, fais gaffe. Oh, j'avoue, là, le moteur, il part, là, il te déchire. Regarde l'état des clous, c'est déjà bien, mais... Il bouge pas, hein. Ouais, ah ouais, ça regarde, tient. C'est pour ça. Regarde, il y a des endroits où il a pas mis ouais. sur 20 cm. Donc c'est pour ça... J'ai fait des petites feintes. Et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi. Et paf, non, ouais, c'est là où ça raccroche. Attends, j'ai trop envie d'essayer un wheeling. T'essayes un wheeling ou pas? Allez. Non, il a proposé en premier. Moi aussi, un wheeling. On laisse les professionnels. Il y a un objectif dans la vidéo, c'est le wheeling avec ça. Wheeling sur glace. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ah oui, ça glisse pas mal quand même. Oh ouais. Oh. Ah la vache. Ah, il a chopé une technique. On va partir en manuel et continuer en wheeling après. Voilà, voilà. Oh. Vas-y Philippe, chauffe-toi un peu. Ah, ok. Oh, un trick de B. Ouh. Oui. Oh, magnifique. Oh, il a trop giré. Oh. En vrai, il a le meilleur wheeling de la session pour l'instant. Il a le meilleur. Pour l'instant, leadership, il est là. Il nous a surpris. Que... Oh, lolo. Wheeling burn, c'est jamais vu encore. Hein. Ah oui. Ok. Oh, yes. Oh, ouais. C'est ça qu'on veut. La première chute sur la glace. Bon, je vous laisse vous chauffer. Je vais ramener un petit truc. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Là, il y a leur BMX, là. On va attendre. Les gars, j'ai trouvé une luge. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va vouloir se faire traîner derrière. Arthur, viens ici. Arthur, on a besoin d'un cobaye. Une luge, une sangle, un vélo électrique, une patinoire. Ce mec est plein de surprises quand même. L'idée est bonne, non? Est-ce que tu permets 5 minutes, je vais mettre des protections. Ok, ouais, vaut mieux. Viens, on fait sur le drift. Voilà, j'avais pensé à tout, j'ai des plots. Et là, il y a même une porte, attends. Voilà. C'est même plus court ici. On la referme. Alors, tu veux un championnat de drift, c'est ça? On peut se faire un petit parcours au pire. Un plot là. Salut. Et il commence à casser tout mon parcours, je l'ai pas installé encore. Ok, on a déjà un petit truc là. Il faut que t'arrives en slide, bim, boum, boum. T'arrives à taper le plus de plots. Jim Cana du vélo électrique. On a un beau truc. Ouh, je vais me casser la gueule. Oh là là, oh là là. 1, 2, 3. Timide. En restant sur le vélo. Non, viens, sinon on se fait juste un parcours comme ça où faut... Oh, comme ça, il y a un peu de championnat là. On se fait un chrono. La luge, elle est là. Celui qui perd, il sera dans la luge. Philippe, t'es d'accord? Oui. Il est d'accord, c'est bon. T'as entendu, il a fait un bon picard. Hein? Hey, Timmy. On part de là. Top départ. Ok. Et là, regardez. Voilà. Ah oui, là, il y a un bon-up. Faut sauter par-dessus là-bas. Avec l'enduro électrique. Hein. Sauter par-dessus et finir au plomb. Avec un enduro avec un 29 pouces. Ouais. Il est là pour le fun quoi. Donc, par curiosité, je vais essayer de faire un bon-up quand même avec le. Ok. Voilà. Bon bah, du coup, vous commencez? Ah, t'es le premier. Oh. Le truc était parti, je pouvais plus arrêter. Oh, ça va être magnifique. Chrono. Ok. Get on. When it starts. 120. 120. Let's go!
Ça part en drift. T'es dans le mauvais sens. Allez, 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 allez. Ouais. Là, le virage, il est chaud, là. Ouais, il y va tranquille. Ça va, c'est maîtrisé. Oh, et le bunny up, on voulait le voir, justement. Oui. Allez. En vrai, on a pas beaucoup de vitesse. Ouais. Et top. Jolie fin. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis vraiment... Pour un temps de... Combien fille? Bon, allez, 15 secondes. Moi, je dirais... 14:37. Moi, je dirais... Bah, t'as le chrono. Moi, je dirais... 21:41. Ok. Non, en vrai, pas mal. Un petit faux départ. J'ai voulu partir vite et c'est parti en couille. Je fais le second ou pas, Arthur? Qui? Ou Mick? Qui ira dans la luge? En vrai, j'ai envie de perdre. Moi, j'ai envie d'essayer la luge. Arthur, il est chaud quand même en VTT. Hein. Il cache bien son jeu. Hein. On connaît les erreurs des autres maintenant. Ouais. Fais chauffer la gomme, fais chauffer la gomme. Vers le chronomètre. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il y va tranquille. Oh, il fait un bon départ. Il est pas mal. Il est pas mal. Il sort le pied, pépère. Le bunny hop, oui, perd un peu de temps ici. Est-ce que ça passe? Oh, presque. Et la sortie, elle est là. Mec, elle est là. Oh, il perd du temps. Il perd trop de temps. Il a réussi à m'avoir quand même. 20:62. Même en se trompant de chemin, il a réussi à m'avoir. Sans la fin, tout aurait pu être bien. T'as perdu, je pense, ouais. 3-4 secondes avec la fin. Bêtement. Je fais la gomme. Oh, il s'est froid le sol. Pilote prêt. Ouais. Get on. Ouais. One is start. Ouais. One today. Yeah. One today. Ouais. Ok. Oh là, perte de temps précieuse. Encore une perte de temps précieuse. Ok. Là, je me suis en bien. Mais non. Oh, il a tapé un de ses boniapes. Il a tapé un de ses boniapes. Il a fait combien? 21:42. En vrai, je suis pas allé. Ah non, 21. Ah ouais, j'étais vraiment lent sur le virage quand même. Je te propose une fois chacun. Ou déjà pour commencer, ouais. Pour voir le petit feeling, parce qu'avec lui qui conduit, je suis pas sûr. Ah, moi je lui fais confiance. Moi j'ai une idée sinon. Tu t'allonges sur le sol. Ouais. Et je te roule dessus avec mes pneus cloutés. Ouais. Combien de pouces bleus pour ça? Ça peut être un concept, hein, le fakir. Ouais. En vrai, 500 000 pouces bleus, je fais direct. 500 000, bah ça va, tu prends pas trop de risques. Ouais. Oh mec, t'as une crevaison. Écoute. Oh non, bah vite, faut y aller. Vite, faut se dépêcher. Allez, vite, ça va se dégonfler. Vite. Bon, au pire, ça accrochera mieux si c'est un peu dégonflé. Ça fuite. Okay. La luge. Ok, c'est parti. Je les virage, ça va être bien, je sens. Ok. Là, on est pas mal. C'est génial. Arthur, faut que t'essayes, faut que tu montes derrière aussi. Vas-y, j'ai envie de piloter, tu moi. Pilotes, Arthur, tu veux essayer? Bien sûr, monte derrière. Mets-lui la misère, s'il te plaît. Non, je touche pas. T'es pas prêt, mon lapin. Tu fais pire. T'es pas prêt. La corde. Oh merde. Oh la vache. Ah, ça pique. Tu me mets la misère. Vas-y. Fais une grande ligne droite. Va le plus vite possible sur la ligne droite et après tu tapes le virage. Mais quel enfoiré. Il l'a mis dans le mur, il l'a fait exprès. Bah ça comptait pas, non, je l'ai bouffé. Ah ouais. Ouais, bon, il y a des mecs qui font du hockey qui tapent dedans. Oh, j'en peux plus, moi. Aurélien, tu fais pas là. C'est juste ce que tu m'as fait tout à l'heure là, à fond sur la ligne droite. Je vais faire encore pire. Tu m'as fait bouffer le mur. Dommage. Bon, votre youtubeur préféré sera peut-être sa dernière vidéo. Ah, vous verrez la semaine prochaine si on a une autre qui sort. Écoute. Oh, ça va vite. Oh. Hey, il gère le truc quand même, hein. J'en peux plus. Mec, Ken Block, il pouvait pas passer. C'est là. Eh ouais, Ken Block. Oh là là. Attends. Qui c'est qui commence à perdre de... Ah ouais, c'est un peu... Une ligne droite, c'est lui qui fait la plus belle figure sur la luge. T'entends, sœur. Regardez la gueule du coup. Oh oui. Oh oui.
Magnifique. Oh le pneu, ah ouais effectivement ça y est. On peut ronfler un peu, ça y est on perd tout là. Vas-y j'ai déjà un gros cul aussi. C'est un peu lourd, petit coup de pompe. Prends ton BMX aussi en même temps vite fait là. Ah là y a pas les clous, on va voir la différence. Oh là, oh ouais ça va en vrai. Limite ça tient mieux avec les pneus lisses comme. Ah dès que ça va être mouillé je pense que c'est mort. Là juste après cette vidéo les gars, Philippe il enchaîne une autre vidéo, je lui ai ramené plein d'engins, ça sera sur sa chaîne. Donc là c'était le VTT électrique avec les clous. Philippe il va faire tous les engins, trottinette, mini BMX, BMX, donc allez voir sur sa chaîne aussi. Un petit trick là t'arriverais on va en garder pour ta chaîne mais. Ok pas mal ouais. Petit bunny up du coup. Ça va toujours. Bah ça réchauffe hein, il fait un peu froid dans une patinoire. Le trick de Philippe. Oui. Allez. Pas mal. Ça tu l'as limite, t'étais mieux qu'avec le vélo électrique hein. Deuxième candidat, Philippe, t'es prêt pour la meilleure figure hein. Les abonnés devront voter pour la meilleure figure à la fin de la vidéo, donc c'est parti. Ah la luge, elle est venue lui tacler les jambes. Est-ce que tu es content de ta figure? Je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait, j'ai essayé. Non, j'ai pas vu du coup. J'ai essayé de tenir en équilibre sur les mains, genre. Un poirier genre. Ah oui, genre breakdance. Tu es sûr, t'es prêt pour la finale? Apparemment, il va tenter un truc chaud. On est là pour l'accélération. Ok, il est debout, il est debout. À la chute! À la chute! Là, il perd sa godasse. Ah mais le con! Le con! Allez, va-t'en! Va-t'en! Le mec, il perd sa chaussure. Bah, j'ai pas vu ce qu'il a fait du coup. Bah, en gros, il a voulu se mettre debout. Putain, voilà, il a voulu faire ça. Oh mec, ça glisse hein. Bon, à vous de nous dire du coup quelle figure a été la mieux sur cette luge. Et puis bien sûr, la suite sera sur la chaîne de Philippe. On va tester plein d'engins. Tout ce que tu m'as ramené, en fait, c'est toi qui me fais la surprise. Pour l'instant, il le sait pas. Donc vous verrez la réaction. Merci Arthur, merci Philippe. Merci à toi. Abonnez-vous et puis à la prochaine. Ciao les gars. Salut.